Et quoi maintenant? Explorons la maison. Ouh, elle est mignonne. Ah, c'est sa petite amie. Oui, le loup. C'est la loup. Ah, c'est la loup. Lalou, lalou, lalou. Nous devons construire des pièges. Avec quoi? Hé, regarde, je trouve un ficelle. Ouh, un ficelle. D'accord. C'est gris. Où est-ce qu'on peut construire une piège? Peut-être ici. D'accord. Magnifique, très intelligent. Oui, oui. J'ai écouté quelque chose. Oh, un piège. Et voilà, j'ai trouvé un nez. Les cochons sont ici. Je me sens en hostilité. Je vous ai attrapé! Oh là là! Mon nez! Oink. Non! Ils sont dans le sous-sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Quoi? J'ai préparé quelque chose que je veux vous dire. Salut, Monsieur Cochon. Je veux arrêter la lutte entre les loups et les cochons. J'ai une offre pour vous. Je vous permettrai de partir si vous faites la paix. Il faut que nous soyons des amis, s'il vous plaît. D'accord. Bien sûr, nous vous promettons. Oui, nous vous promettons. Je vais faire la paix. Finalement, je suis content. D'accord, vous pouvez partir maintenant. Bien, d'accord. D'accord, monsieur. Bien sûr.
passer rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Tuez-le! Un, deux, trois. Ah! Que vous êtes stupide, vous espèce d'âne. Ce signor n'est pas dû arriver. Nous allions devenir des amis. La morale d'histoire, c'est de ne pas gaspiller la nourriture. Mais ne mange pas trop.